Eh bien, moi, je réponds oui. La preuve, je suis à côté d'un pachyderme, un chêne-liège, littéralement, à écorce épaisse, à peau épaisse, pachyderme. Alors, la peau épaisse, évidemment, c'est une intelligence de la nature. Pour qu'il se protège des flammes, il survit face à un incendie. On l'a exploité depuis 1830 en Corse. Je pense à Porto Vecchio, à Bastia, à Ajaccio avec leurs usines. On faisait des plaques d'isolation, mais surtout des bouchons. On se rappelle que les Égyptiens faisaient des premiers bouchons pour leurs amphores. On pense aussi aux Grecs qui en faisaient des flotteurs pour leurs filets. Et puis aux Romains, et on connaît bien les sandales en liège aujourd'hui qui sont revenues à la mode. C'est que le chêne-liège a la faculté d'absorber 30% de plus de CO2 dans l'air que les autres arbres. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il rejette également beaucoup d'oxygène. Je vous donne un chiffre. 700 grammes, c'est le nombre de grammes d'oxygène que vous et moi mangeons chaque jour, ce qui fait 255 kg par an. C'est que finalement, on s'empresse de manger le déchet d'un arbre.